Le corbeau voulant imiter l'aigle. L'oiseau de Jupiter enlevant un mouton, un corbeau, témoin de l'affaire, et plus faible de rein, mais non pas moins glouton, en voulut sur l'heure autant faire. Il tourne à l'entour du troupeau, marque entre 100 moutons le plus gras, le plus beau, un vrai mouton de sacrifice. On l'avait réservé pour la bouche des dieux. Gaillard corbeau disait en le couvrant des yeux, « Je ne sais qui fut ta nourrice, mais ton corps me paraît en merveilleux état. Tu me serviras de pâture. » Sur l'animal bêlant, à ces mots, il s'abat. La moutonnière créature pesait plus qu'un fromage, outre que sa toison était d'une épaisseur extrême et mêlée à peu près de la même façon que la barbe de Polyphème. Elle empêtra si bien les serres du corbeau que le pauvre animal ne put faire retraite. Le berger vient, le prend, l'encage bien et beau, le donne à ses enfants pour servir d'amusette. Il faut se mesurer, la conséquence est nette. Mal prend au volereau de faire les voleurs. L'exemple est un dangereux leurre. Tous les mangeurs de gens ne sont pas grands seigneurs. Où la guêpe a passé, le moucheron demeure.